Ce sont des faits qui lui sont reprochés alors qu'elle avait 18 ans. Elle était alors secrétaire du commandant du camp de concentration de Soutow, c'est dans le nord de l'Allemagne, et c'est le dernier camp de concentration libéré par les Alliés en 1945. Dans ce camp, près de 65 000 personnes, Samuel, ont été tuées. Il y a des Juifs, des résistants polonais et des prisonniers soviétiques. Ingard Fürschner, c'est le nom de cette ancienne secrétaire. Elle occupait des fonctions essentiellement administratives, donc de 1943 à 1945, elle était dactylographe et secrétaire, et elle aurait tapé à la machine les ordres d'exécution et de déportation et apposé même ses initiales sur plusieurs centaines de prisonniers. C'est notamment pour cette raison qu'elle doit répondre à des faits de complicité de crimes contre 10 000 personnes. Son avocat lui affirme qu'elle ignorait tout simplement le sort des détenus de ce camp de concentration. Alors le tribunal, Lucas, a demandé des mesures de sécurité drastiques pour permettre sa présence au procès. Oui, parce que ce qu'il s'est passé, c'est que le 30 septembre dernier, il y a 3 semaines, alors qu'elle devait aller à son procès, elle ne se présente pas à l'audience. À 96 ans, donc, celle qui vit aujourd'hui dans une maison de retraite près d'Hambourg a tenté de s'échapper en taxi avant d'être retrouvée quelques heures plus tard dans le métro. Elle a été incarcérée, puis libérée 4 jours plus tard. Alors avant l'ouverture de son procès, elle avait quand même prévenu dans une lettre adressée au président de la cour qu'elle ne voulait pas se présenter devant les juges. Elle a donc essayé d'échapper à la justice. Pour les survivants de la Shoah, ce n'est rien de moins que du mépris pour les victimes. D'ailleurs, le président du centre Simon Wiesenthal, qui traque encore aujourd'hui les nazis encore en vie, a réagi sur Twitter: suffisamment en bonne santé pour finir, pour fuir, suffisamment en bonne santé pour aller en prison. C'est son avis. Sachez, pour finir, Samuel, que d'après les historiens, 4000 femmes ont travaillé dans les camps de la mort en Allemagne.